Là, on est plus trop en 300 là. On pourrait pas tirer là. Là, ce gros arbre là en face de nous. Paradoxe, je suis un doute que ce soit pas. J'ai mes voisins qui écoutent de la techno à fond, des fois j'ai peur que j'entende des tirs. Tire à travers la colonne. Le bois, moi j'arrive pas à tenir le rythme. On va faire une pause, rejoignez-moi. Ah, c'était un bruit d'un à droite ça, non? Ouais. Azimut 10-20, un truc comme ça, et... Oh, on le voyait Ouais. juste là! Azimut 34. Ouais, il a tiré avec... Ouais, c'est du lance-missile par contre. Ouais. Bon bah Je sais parfait. pas sur quoi il a tiré, mais... Ouais, y a Oui, moyen de le neutraliser en silence. c'est du lance-missile, on tue les mecs, on désactive le système, et normalement c'est bon. Bon, le chef des verts, c'est Kiras. Kiras, t'es là? Ah, je suis plus là. Tu vas prendre tes hommes, t'as vu Bullet Train ici, non? Non? T'as vu Bullet Train ici ou pas? Non, j'ai pas vu, j'étais derrière. Vas-y, mets 32 là-bas. Tu vas Ouais, avancer mais en j'ai entendu 32-34. tu vas avancer en parallèle avec nous, et une fois qu'on aura le lance-missile en visu, tu le décaleras un peu sur la gauche et nous, tu le décaleras un peu sur la droite, d'accord? Par contre, vous attendez avant d'engager. Vous prenez des positions de tir un peu sur la gauche, vous prenez des positions de tir sur la droite, et puis une fois que j'irai feu, bah, parfait. Allez, on est parti. À gauche là. On commence à décaler sur la gauche. Autant, autant. Position de tir. Et tous tes positions de tir là, normalement. Ouais. Ah, c'était là. Le bras en emplace. C'est bon, j'ai le lance-missile en visuel. Est-ce que vous avez un bon visu sur les cibles? Affirmatif.
une cible. J'en ai deux. Je prends rien. Oh putain, désolé, je crois que c'est un laser. Ok, négatif, j'ai pas le lance-missile. J'ai deux sentinelles par contre. Donc, si vous êtes. Vous êtes pas attaqué. Affirmatif. Ouais, mais on voit que deux mecs, on voit rien d'autre. Attends, Lebrun, on a que deux mecs en visuel. Est-ce que c'est peut-être les mêmes mecs? Essayez de vous décaler un peu plus pour voir si vous en voyez pas d'autres. Et puis on attaque. En gardant la même ligne là. Oh putain. Sortir de la maison. Ouais, effectivement. Peut-être mieux ça, j'en vois un derrière les sacs de sable. J'ai le lance-missile. Lebrun, on a le lance-missile en visuel. D'accord, bah vous en chargerez, d'accord. Bien reçu. Laser sur le lance-missile. Si tu vois le laser de Blackheart, il est sur le lance-missile. Prêt à engager. Bah, c'est pas... Tiens, tiens. Lance-missile neutralisé. Lance-missile neutralisé. On s'est fait backstab. Attaquer le complexe. Viens en avant. Il s'est relevé au lance-roquette là. Je peux tirer ou pas? Et oui, vas-y, fais ce que tu veux, on attaque là. Oh, c'est jamais. Bah, t'es vivant? Oui. Je suis vivant. Deuxième lance-missile neutralisé. Deuxième lance-missile neutralisé là-bas. Viens, on se trouve sur le complexe. Le bâtiment, la petite fenêtre. Un rap s'est fait descendre direct. Fais le tour à gauche. Est-ce qu'il y a des verres dans le bâtiment ou pas? Ouais, il y a des verres dans le bâtiment. Envoie une grenade, enfin envoie une grenade. Ouais, HRP, ouais, y'a un mec dans le bâtiment, il tire à travers les murs en fait. Non, c'est bon, je viens de le coucher. Non, il y a encore. Négatif, y'en a toujours debout. Ah, ok, je me renvoie une grenade. Rentrez pas dans le bâtiment. Grenade lancée. Ok, grenade lancée, attention. Tango toi. Il s'est relevé, what the fuck? Non, je croyais que tu parlais de. En fait, quand t'as dit Tango Dan, je croyais que tu parlais de Tango. Ah non, non, non! Ouais. Alors... Bon, affirmatif, les deux A sont neutralisés. La prisonnier là, j'en fais quoi? J'ai rap mort le bras. Il est sur moi dans le sol. J'ai un prisonnier, qu'est-ce que j'en fais? Lebrun, on a un prisonnier apparemment. Bute-le. Attendez. C'est pas toi qui donne les ordres. Non, ne bute pas. T'as quelqu'un des menottes? Putain, j'ai pas vu. C'est le relevé. C'est bon. On va se demander si c'est pas où est le camion. Bon, pour info, on s'est fait backstab par une patrouille qui venait du sud-est à un moment, donc surveillons les environs. Rap qui s'est pris un headshot, sinon tout le monde.
Ok. N'oubliez pas de surveiller les environs. Hein. Prenez des positions défensives dans la maison. Je vais voir le bras pour démonter les pods. Je crois qu'il y a moyen de le faire. Coucou, personne? Pour info, tant gauche, surveille le nord-est. Ok, il est placé devant un camion et on conduira dessus avec le poids des pins. Bon. Tu veux qu'on aille check si les mecs sont toujours en vie ou pas, ceux qui nous ont chopé par en backdoor. Tu veux prendre un mec avec toi, mais je pense que normalement ils seraient nous tirer dessus s'ils étaient encore là. Par contre, préparez-vous, il y a peut-être des mecs de l'aéroport qui arrivent. Mettant le pod, moi j'ai mis dans le bâtiment, en fait le pod m'est tombé dessus. C'est comme si j'étais mort, mais en fait je suis pas mort. La carte, bah, carte. Du coup, on fait quoi avec le cadavre de rap? Cadavre de rap, t'as des sacs ou pas? J'ai pas de sac. Bon, écoute, il est où le cadavre? Et juste à l'entrée de la maison. On peut imaginer le cramer ou je sais pas. C'est bon, je peux? Vas-y, vas-y, je vais faire le stress. Mettez-vous tous à côté du camion. Le bleu ou le vert? Le bleu. Des coups de feu, c'est vous venez d'exécuter le mec, c'est ça? Oui. Vas-y, vas-y, me semblait. Personne commençait déjà à paniquer. Non, mais j'ai cru que c'était justement les personnes qu'on allait. Ouais, Orsted, ouais. Et non, ça s'entendait trop que ça venait de derrière, Orsted. Ils étaient tirés d'armes de poing. Même pas, c'était dire MC silencieux. Putain, c'est pour ça en fait, c'est par rapport à... au coup que ça a fait. Je suis sur une défense dans la maison, il y a un vécu qui arrive. Quelle direction? Dans la maison, il y a un vécu qui arrive. Ah oui, je le vois. UAZ. Armé. Il arrive pour le droit même. Traité de mort. Bon, nous on va se diriger vers l'aéroport. Regroupement les gars. J'avais le viseur sur sa tête, j'ai vu comment se faire le feu. Allez, touché. Dodo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est 8. Rap est mort. Rap. Bah, rap est mort au combat. Là, je viens de le voir apparaître. Ouais, moi aussi, il est assis. C'est bon, on est au complet. Vous voyez quand même, gardez un oeil sur la douche là quand même. Je suis pas sûr que le mec soit. Enfin, normalement il est mort, mais. Il est pas mort. Il est pas mort, il est pas mort. Faudrait aller l'achever, non? Un peu la carte. Allez. Il est pas mort, il a son pied qui dépasse à l'arrière, ça veut dire oulala, je suis dans le coma. Arrête, faut le mettre au-dessus et tu me descends.
Ah, il fait chier. Il est mort. Et j'avais coupé le vitre. Voilà, hop. Donne. Ça s'est bien passé. À part là, ouais. Sauf que le mec a eu le tantia et que le groupe s'est bouffé une patrouille dans le dos, mais à part ça. Sinon, j'en fais que je peux pas courir avec moi après. Le bras, on recolle sur vous là, on est allé finir le mec dans la voiture. Vous êtes azimut combien en termes de marge? 150. Bon, j'attends. À moi, mais il va rien passer. Avec ton protec, tu fais tellement pas milicien. Avec son quoi? Avec son protec. Mais ça s'achète sur internet. Hein. Oui, c'est sûr. Bah, c'est... moi, ce casque, je l'appelle le casque de skate parce que ça me fait penser à un casque de skate. Bah, moi, efficace en protection, ce truc-là, je pensais plus pour les chocs que pour la protection de pare-balles. En fait. Ah, d'où le fait que ça ressemble à un casque de skate. Roller. Ils sont arrivés, Blackheart et... À ta gauche. Ouais, le Blackheart. On va avancer doucement. Du coup, celui qui avait vu les mecs, qui n'est vers ici, normalement, ils arrivaient à quasiment 120, c'est ça? Non. Ouais, là, on est que 8, là. Yakara. C'est vrai. Ouais, ça répond à ta question. Bah, Azimut, je pense qu'ils ont de... vu leur vitesse, ils ont vraiment être Azimut 160 vers là. Hein. Ils doivent être Azimut 160-170. Ouais, je suis mort. Ah, ben, eh ben voilà. Non, c'est pas sur nous qu'ils tirent là, c'est pas sur nous. Ah, oui, exact. Ok, ils sont sur la gauche. Donc, ce sera pas deux milices qui s'affrontent là? Tourne le dos là pour le coup. Ouais, il y en a deux là. Il n'y en a pas que deux, ouais, il y en a plusieurs. Ah, bon, il y en a un qui est tourné vers nous là. Ah, bon. Oh. Enlève-moi les allumes. Ouais, vous pouvez les engager si vous voulez. Là par contre, c'est sûr. Oh. Oh, il y en a deux, trois derrière le fumigène. J'en ai dans mon sac. Bouge. Allez, on va avancer doucement, on prend gaffe à notre plan droit. Ouais, il tirait sur quelque chose qui était direction sud, du coup... Si vous avez un doute, n'hésitez pas à tirer. Qu'est-ce que vous avez un silencieux? Je tire. Vous avez vu bouger là? Bouger quoi?
dans le buisson là, juste en face de moi là, azimut 155. Plus proche de nous, je crois qu'il y avait un... ça a bougé. Je suis vraiment pas sûr. Pour rien. Ceux qui sont à droite, vous avez pas visé sur des ennemis? J'ai cru voir du mouvement, enfin, moi je suis à gauche, j'ai cru voir du mouvement d'un espèce de petite butte qui doit être sur vos midi 11h, mais c'est à confirmer. Il y a un pied. Ah, je confirme, il y a quelqu'un derrière, par contre je suis incapable de dire si c'est vivant ou pas. Là, tu vois là? Ouais, c'est un mort. C'est un mort, bah ils doivent venir de mourir. C'est toi qui l'as zigouillé, qui ou ce mec? Le mec. Le mec là où, bah, où, là où il les alliés. Il y a les combats qui viennent d'arriver. Là, oui. Je vais bouger. Ah, d'accord, c'est ça. J'ai le BFA connard. J'ai le BFA connard en train de lui emmener. Quand même, je le remplis. Black Card, vous êtes où? À ta gauche. Ils sont au nord, là, dans la plaine. Ah, j'ai des bouts de burger coincés entre les dents. Yes. Ah, c'est bon, c'est chiant. Y'a quelqu'un qui me reçoit? Affirme. Ouais. Mais Lebrun, il me reçoit pas? Si, si. C'est où du coup, Kara? Bah, j'ai eu un énorme TP alors, personnellement. Je vais mettre la raison de la pause en fait. Véhicule. Tu t'es perdu, Kara? 120. Ouais, trop bien. Non, je dois être à 150 mètres en avant. RDM. Un truc de parachutiste. Ah, c'est bon, je vois. Je vois Kara mettre son laser en plus. Y'a un véhicule qui arrive là. Sur. J'ai un BRDM identifié, BRDM. AT, préparez-vous. Ok. Ouais, 250, 300. Vous m'avez laissé tomber comme une vieille chaussette. Ça me fait chier de cramer une roquette pour ça, mais on peut aller loin. T'es chaud pour choper cette distance-là ou pas? Ah, j'ai pas la lunette, donc c'est un peu tendu, quoi. Limite, en gros, si t'as la lunette, t'as plus de chance que moi, cette distance. T'as pas la lunette, bordel? J'ai en switchant d'arme, en fait, elle s'est barrée. Après, t'as obligé de cramer une roquette de Kergustaf pour un simple BRDM. Ok, bah écoute, tant que tu me dis quand même si t'es chaud pour ça ou pas. Je l'ai mal à chaud d'épée. J'ai envie de tir au cas où, mais ça serait mieux que t'en goûtes un peu quoi en bas. Y'a un tireur ou pas dessus? Je dois pas tirer un tireur. J'ai vu la toile bouger, voici ici y'a un tireur dedans. Moi je peux balancer une grosse patate à chaud d'épée dessus. Hein. Le problème c'est qu'en plus là, si on est en mouvement, à coup d'argus, ça c'est même pas la peine. Je vais être à 200 mètres là-bas. Enfin, il est même à 100 mètres. Hein. S'il nous repère pas, on n'a pas intérêt à le laisser partir. Ah, je peux l'avoir si tu veux. Ouf! Ce bruit de merde, mon gars. Mais c'est... Ça pas suffit visiblement. Oh, si tu pouvais l'avoir, ce serait bien, ils font sur... Ah, je crois que c'est bon.
à l'autre côté. Roquette hit de Cargus avant le flanc, rien à foutre de Berdem. En même temps, il n'y a pas grand chose à faire exploser. Hein. Là, tu l'as, ouais, tu l'as traversé, mais. Ils se disloquent quoi, la roquette. Normalement, la roquette elle passe le blindage et puis elle explose. Ah, bah oui, non, mais les mecs ils sont partis. Ils se disloquent de l'intérieur. De toute façon, on va avancer sur le report. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas matière à faire énorme explosion, quoi, à part l'essence. La Blackheart. Hein? J'ai récupéré la roquette, c'est ça, j'aurais pas l'air à te demander, puis en cas, vas-y, prends. En cas de soucis, je préfère la voir. J'étais persuadé qu'il l'avait touché avec son RPG. Je sais pas. Je sais pas. Oh, faut qu'on rejoigne les autres, là. Ouais, il a fait... Ça aurait été pas plus mal qu'il explose pas. Hein. Il y a trois hommes, voire peut-être plus, côté hangar à droite. Bon, c'est bon, le bras, Blackheart est là. À la tour de gauche, la tour de droite, c'est une douche-là. Ah oui, d'accord. Ah oui. Je l'ai même pas vu arriver. Quoi. La tour de gauche, ils sont deux. Vous êtes là, Batman, c'est bon. Ouais, mais la tour de droite, en tout cas, elle ne chopera pas en arrivant d'ici. Je miserai pas là-dessus. Mais comment ça, elle ne chopera pas? Mais t'es malade ou quoi? Tu veux qu'il tourne comment là? Ah, il tourne parce que c'est un. Plus t'es chaud, pas. C'est un 360, ah oui, tu sais. Je sais pas où on est, je pense que oui, mais j'aurais bien besoin de voir où on est sur là. Parce que on est en 0,79. Ah, 0,17, 930. Pavé numérique 5. On est pas très loin de la route. Ils sont à quoi? Les 400 mètres pour le coup? À 300 mètres. Hein, 300 mètres, 300, 400 mètres. Alors, t'es chaud pour le tir ou pas? J'ai peur, mais. Mais prenez tous des distances de sécurité, parce que si elle bouge pas, elle me prend dessus là. Décale-toi à droite, Karin. Je vais utiliser Arcutan, parce que j'ai. Oh, comment c'est doublé! Hop. S'il n'y arrive pas, on tire comme vous pour voir la douche-là. Elle est où la douche-là? La douche-là, elle est tour de droite. Laser. Ok, ça marche. La douche-ca tourne vers nous. Ah, ils sont deux aussi à droite. On va dire. Mais que Blackheart, la douche-ca surveille l'horizon yeux, en fait. C'est un laser infrarouge, il peut pas m'avoir vu. La douche-ca vient de baisser la trappe. Hop, rap, mets-toi pas entre nous deux, l'idée c'est qu'on a une distance de sécurité. Bon, là, on va commencer à avancer alors. Avancez tout en ayant la douche-ca avec la fenêtre toujours fermée vers nous. Mais s'il l'ouvre, bah tire dessus quoi. De toute façon, le mec avait juste un courant d'air dans la gueule et il a fermé la trappe. Hein. Je pense que c'est ça, c'est plus probable d'ailleurs. On va penser qu'il soit surpris d'entendre des explosions et des tirs. Il avait un copain pour info dans la... avec la douche-ca. Continue d'avancer. Blackheart, si tu veux avancer, je me suis arrêté pour l'avoir dans la ligne de mire. Oh, il est ouvert la meurtrier. Négatif, la trappe est toujours fermée. Non, mais il a ouvert le petit truc pour juste voir. Ah, d'accord. La patrouille est en train de courir. Les grosses chevilles de rap. On s'arrête à la route, le bras. Ah, c'est dur de rentrer. La patrouille vient droit sur nous. Les deux gardes sont alertés. Tirez. On a 5 tangos sur nous, 5 citrons. Feu, feu. Allez, avance rapide sur le complexe. Attention les gars du flanc droit, surveillez bien qu'il n'y ait pas des ennemis qui arrivent de la grange. Affirmatif. Ça bouge pas à la grange. Oh tu sais, hein, ça bougera dans 10. Bon, on en voit. On y
est là, ton gauche, soit ton gauche, soit ton gauche. Y'en a un qui s'est couché dans la plaine. Ok, il traite. Y'en a encore un à gauche, y'en a encore un à gauche. Toujours stoïque dans la grange. Traité. J'ai un homme dans le coma là. Ah bah c'est l'homme stoïque, tiens. Z est celui qui approche là. Oh, Demi, baissez la tête. Et écartez-vous surtout les gars. Trop bavale. Ok, ouais, mon réglage a bugué. Je cherche pas. Vous pouvez progresser sur la gauche. Ah bah non, non, surtout. Essayez de vous décaler en... à terre en... en tenant sur vous-même vers la gauche. Avec Kara, on part vers la droite. Oh putain, patrouille! Ah non, négatif, ok, c'est vous. Vous m'avez fait peur. Ah oui, je m'avais fait peur aussi. Y'a deux individus dans le hangar, tout à droite de Freya. Ils sont pas alertés, mais... On les bute ou quoi? Tu parles dans le hangar tout à la petite grange à... Ouais, ils sont deux connards près du Hazel, mais ils sont en train de poser, faire une pause. Ils essayent encore de bouger le véhicule. Ok, attention, tirez pas sur le camp, y'a des alliés dessus là. Le véhicule fait une marche arrière. Affirmatif. Tango, t'es toujours en vie? Toujours. Ah, propre, pas ton mot, on va aller à la grange. Attention, attention, j'ai l'impression qu'il va faire une sortie. Ouais, il sort, il sort. Faites il attention aux avions, faites attention aux avions. En plein dessus. Encore, il en faut encore une. Ça sert à rien la HEDP contre le... Il est toujours vivant. Ouais mais il fume, il va exploser. Ouais il va pas tard. Attends un peu. Ça sort, ça sort. C'est bon, il fume, il est en feu. Là il y a eu un tir depuis le, la grange là. Ah. Pour information, on va arriver sur la grange avec Rap au niveau de l'entonnoir. Carache, on appuie derrière toi, j'arrête. C'est bien reçu. Donc on les laisse tranquilles les deux dans le hangar ou on les tue? Alors on y arrive. Sur les bunkers à l'intérieur, du coup. Affirmatif, y'a une PKM là. T'as rappé encore mort? Pas bien, ouais. Et si il est mort? Ouais. Bon, bah je te propose d'aller quand même au hangar. Moins 2. Ouais, c'était pas plus sensuel. Ouais, je les ai eu, ouais. Encore du bunker, y'a encore le bunker, dans le bunker! Et 3 en moins. Et même pas. J'ai résolution de merde. Y'a des mecs à l'entrée est, à l'entrée est. Affirmatif, j'y suis. C'est bon. Le brun pour information, Rap est mort. Rap est mort et on y a l'hélico qui décolle, l'hélico de combat décolle, l'hélico de combat décolle. Affirmatif. Pilote abattu. La carte est toujours en train. Les moteurs s'emballent.
J'avance, Akara. On va sécuriser le hangar. Bon, vous faites tirer depuis le hangar. Non ? Salut. C'est depuis une tour de. Ah, d'accord. J'arrive près de l'hélico qui a le moteur qui tourne. Ouais, ouais. Caradoc, fais gaffe à gauche derrière l'hélico. Il y a une petite pente. Allez, je leur prends en progression. Yeah. C'est bon, la menace est neutralisée, on reprend la progression de la langue. La balle, je vois pas sur vous. Je check la ruine derrière l'hélico avant de couper le vote. Et je m'en occupe, Caradoc. T'es toujours là ? Ouais, je suis là. J'ai vu tomber, du coup j'ai fait le tour pour aller voir. J'avais buté en s'entretué. Comment ? J'ai eu en s'entretué. Pas plein de véhicules là. Des munitions. J'ai des lags. Y'a un mec à nous qui est dans le coltard, juste dans le camion carburant. Il est gagné le mec derrière. Ah, ferme. Attention, on sort du hangar, hein, ne tirez pas dessus. On peut faire un état des effectifs. Alors, le brun est en train de se attention, faire attention, dans le attention. Corps de les 4 rouges, on est là. Ah putain, tu m'as fait peur. Moi j'étais dans la tour dans le premier camp. Je pensais que t'avais entendu qu'il était neutralisé. Je vous mets ça juste. Je savais pas que t'étais là en fait. J'ai vu des pieds en dessous, j'ai fait ah putain. C'est vrai que là-dedans. Ouais, c'est bon. Ah, bah super, oui, on a trouvé notre taxi. Sans on a qu'on aura du choix pour les taxis. Ah oui, non mais il y a énormément de véhicules même dans le, même à l'intérieur là. Oh lol, si tu voyais le viseur de l'AK du mec qui était dans la tour. Ah oui. Le mec qui est dans la tour d'un. Ouais, lui. Je répète, hein, mais si vous voyez des RPG, je suis intéressé. Ouais, espèce de grande tour. Ouais, c'est à gauche. Et normalement, des bâtiments qui sont légèrement à l'écart de la ville. Les deux tours. Les silos, le non, le de formation à droite. Je suis en tension sud. Ouais, y'a un putain de BMP là. Putain, s'il nous a vu, on est mort. Hein. Oh, un petit peu. Pourquoi ils penseraient que c'est. Ils pourraient penser que c'est leur pote, non ? À cause des deux connards qui sont au-dessus là. Ah bah attends, putain, c'est arrivé à capter. Distance, c'est un mec. Oh mon dieu, c'est pas Rémi avec sa casquette à l'envers. Bien sûr, Rémi. Eh, hey, le Google essaie d'être un petit peu ce qu'il dit le vrai, je comprends rien quand tu parles. Mais il dit rien là. Le prochain de ce truc, et voilà. Ouais, je vois tout ça, pareil. Et en plus, c'est pas forcément les ennemis qui s'allient. Ouais. Donc, tiens, ils dorment à droite, ils vont se prendre des balles perdues. On va. On se transforme à gauche. Voilà, à gauche. On dirait qu'on arrive. On va s'arrêter, ouais. On va s'arrêter là. On va descendre les véhicules. Ouais, donc c'est bien les gros silos. Là, dans la lidar. C'est là où il y a le gros bâton. L'élévateur. Oui. Un grain élévateur, on est dans Raid Orchestra.
pas qu'ils viennent pas dans la plaine, hein, le BMP. Un bunker là déjà en face. On s'est écarté du véhicule. Hein. Et y a un putain d'hélico armé sur le toit du silo. Ah, j'avoue, tout en haut du grenier BMP à côté. Eh, c'est pas une coopérative agricole, hein, faut pas se foutre de la gueule du monde. Ah, mais d'ailleurs, y a en fait sur donc, Thios, un hélicoptère. Tu vois le château d'eau à droite? Oui. Deux snipers en haut. En fait, non. Le gros truc brun là au fond. Oui, oui, oui. Ah oui, je les ai en visuel, les snipers. Mais putain, ils sont loin, bordel. Ouais, et pareil, sur la plus haute tour, c'est une 12-7, non? Qui dépasse. Ouais, c'est la plus haute tour, ouais, c'est ça. Et y'a un autre tireur devant l'hélico armé. C'est une blague, y'a un BMP en bas. À côté du bunker. Franchement, les gars. Easy. Y'a pas. C'est comme ça qu'une valise pleine de fric et leur proposer de l'argent juste pour le camion. On est là pour le camion, donc on est tout. Qu'est-ce qu'il y a des jumelles? C'est sacrifiable. Y a... Ça veut dire quand même que le BMP n'arrive pas en cul. Le brin, t'as des jumelles? Je surveille, je surveille. Hein? T'as des jumelles, le brin? Ouais. C'est quoi ce trou en hangar côté gauche là? Y'a un BMP aussi, hein. Ouais, y'a un BMP devant, ouais. 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 Y'a un petit tout en tôle et en dessous y'a quelque chose. Y'a un truc noir. Moi je vois rien, je vois juste le truc noir comme c'est vous. C'est pas un forme, à la forme, moi je te dirais. Un chat. Je suis pas sûr que c'est pas plus gros. Déjà y'a des sacs de sable. Mais non, c'est une petite herbe. Ouais, t'as les sacs de sable et juste à droite t'as un petit truc noir qui dépasse, quoi. Ah oui, par contre, ah oui, y'a un BMP là par contre. Ah, le BMP. Ah oui. Ah bah oui. Alors moi je vous propose quelque chose, venir. Et d'ailleurs, derrière le BMP, il y a des sacs de sable aussi. Déjà, on va passer par l'autre côté. On va essayer d'attaquer par le nord. Tu veux pas attaquer de fond, moi je comprends pas. On est d'accord. Un peu de couilles, bordel. On aurait dû venir avec le. Après, avec une. Ouais, enfin, en vrai, ce que j'allais dire de faire, c'est dommage. Avec une bonne indication de tir, je peux peut-être, je dis bien peut-être, tenter de me faire le BMP, mais je garantis rien. Oui, allez, tu cours dans la plaine tout seul. Je et n'ai voilà. pas la lunette, c'est le problème. Par contre, il faut quelqu'un qui prenne Nigla, parce que si l'hélicoptère il décolle. Bah, on a qu'à le donner à Rap, tiens, il s'est censé. Ah avoir. Oui, j'ai pas vu si les deux connards sont espèce de château d'eau à droite. Moi, je serais lourd, mais je peux en prendre un. Sûr que tu veux pas retenter, hein. Bon, d'ailleurs, tout le monde, vous voyez l'espèce de grande tour de gauche? Je vais en prendre un, je serais plus léger que toi. 43 kilos, ça va, oui, quand même. 51 kilos, moi, avec. Hein. Regardez, si vous pouvez bloquer sans qu'il soit en train de voler. Et là à droite, tu regarderas, t'as un petit bout de comme une passerelle, t'as on voit le brin à connard. Ouais. Ah, ils sont à 600 mètres, non? Pour le brin, j'ai pris un RPG 26 parce que je peux pas prendre autre chose. Oui, Tango a intérêt à revenir. C'est bien t'es pour l'Octa avec Ligue là, hein. C'est T ou R. Enfin, non, c'est une mauvaise idée. Marche pas, non. Et en même temps, il est pas activé là le truc. Ouais, c'était pour tester si on pouvait le sniper. Ça, des fois, ça déconne. Tu peux voir, deux secondes le Ligla, ma carte. C'est rien, c'est bon. Si ah, j'avais oublié le superbe RPG 26 avec. Il y en a un autre ou pas dans le camion? Il y a pas, il y en a trois autres. Contre le BMP, comment dire. Voilà. Ouais, remarque. Après, il y a un viseur de merde, je sais même pas s'il est fonctionnel. Il y a une roquette en dans le cul, il va pourrir. Oui, moi, il y a une roquette, oui. Les îles que vous avez pris, ils sont vides. Hein. Ah si, il y en a un, c'est celui-là. Là, hop. La guerre 26. Ça serait mal chargeur aussi. Chargeur de M16, il m'en reste actuellement 10. 11. On va enfiler un ou deux si on est plus. Bah, tiens, j'en ai, balle, je t'en mets dans le sac. Pierre. Oh, bah, t'es pas, mais j'en ai un. Quelques-uns en plus. Tiens, je t'en. On avait pas des masses à la base. Ceux-là? Des chargeurs. Ouais, des chargeurs de 556. Bon. Tiens, je t'en ai filé 4. Bah, super, merci. Vous êtes bon? C'est bon, je suis pas sûr. Vous n'avez pas revenu? Si, si, je suis là. Ok, en avant. Faites attention à gauche, qu'il y a pas tout qui se ramène. Il est en train de bouger. Le blindé vient de sortir de la ville. Ah oui. Ah oui.
heureusement que j'ai dit de faire attention. Ah bon. Le Brun, t'as entendu? Non, j'ai pas entendu. Lui qui nous a tiré dessus. Il s'est fait tirer dessus là? Lui qui nous a tiré dessus, il arrive. Le BMP? Attends, qui arrive? Ah oui. Le BMP qui nous a tiré dessus avant, il arrive. Enfin, il est dans la ligne d'arme à gauche quoi. Il sort de la ville. Ah oui, je le vois, ouais. Il va passer au nord, azimut 350. Ça m'est bien qu'il passe sur la route à droite. Vous aurez pu vu ça. On va être empâté là, attends, je vais le mettre par là. Là. Il va spotter le RG33. Si, si. Non, je vais essayer de bien le cacher quand même. Non, c'est bon, il s'est pas arrêté. Je vais recommencer à rentrer. Il s'est arrêté là, hein. Il s'est arrêté, je pense. Ouais, il est arrêté. 100%, il l'a vu. 90. Continue, on continue. Un coup de Carl-Gustin. Ah bah peut-être pas maintenant, sinon on va se faire allumer par les snipers. C'est ça. S'il fait trop chier, on aura pas trop chaud. Il faudrait faire connaissance avec la technologie suédoise. Suédoise. Technologie suédoise produite aux États-Unis. Ils ont des drôles d'engins pour labourer leurs champs, les coopératives agricoles. Pour les pesticides. Et comment on va faire pour passer au nord? C'est découvert jusqu'à Jean-Louis Aubert. Faut prier. Puis il y a un tireur sur la façade du grand bâtiment, là, juste en face de nous. Ouais, ouais. Je sais pas, l'avait spot. Ouais, si c'est des mecs isolés. Voilà. Des mecs isolés, tous, ils peuvent les tuer et puis. Ils sont tricky les buissons. Ils pourront pas nous voir s'il y a personne pour nous voir. On ne se voit pas nous-mêmes. Ils pourront pas nous voir non plus. Ouais, mais le coup les autres de, te voient et toi tu te vois pas. Ah bah non, c'est pas possible. Sinon on se voit pas, bah oui, ils peuvent pas nous voir. Ah si, si tu regardes loin vers le haut, Blackheart. Toi, tu te vois pas toi-même, ils peuvent te voir. Le brun? Ouais. Je sais pas par où tu veux aller, mais la ville est occupée. Hein. Tout le monde est là? Et, attendez, là on va s'arrêter. Tu vois les boulots là qui sont en vise? On va aller vers là-bas là. Ouais, ok. Et faut qu'on fasse une petite prière. Ah ouais, t'es éteint. Y'a des mecs près de la. Près du lampadaire en. On va prier en rampant. En 340, ouais, y'a des mecs à côté du lampadaire. Bon, on va faire une petite prière. Y'a au moins 3 gars alignés. Ah bah la ville est toute occupée. On va y aller donc. De quoi? Où ça y'a des mecs? Dans la ville. Le lampadaire. À gauche, là. Ah, ce connard, il met la musique. Il met la musique de prière, le bras. Bon, tout le monde finit sa prière. Il s'affirme, Basqui, Akbar. Président Basqui. Basqui, Akbar. On va aller en avant, mais en rampant, parce que là. On ferait peut-être pas mieux d'y aller. Ok, pourquoi pas, c'est une stratégie. En même temps, sur la route. Ah oui, ce que je préfère, c'est que je pourrais tirer sur la lune pour l'éteindre, et sur le soleil aussi. Ah bah oui, comme dans GTA, tu tires plusieurs fois, c'est tout ça. Non, vous allez pas voir, c'est une musique quoi. On voit le BTR d'ici. C'est la musique de The Walking Dead. Vous êtes mignons, hein. Bah, on dirait la musique. Ah bon? The Walking Dead, mais non. Qu'est-ce qui est en train de rouler, d'écraser absolument toutes nos couvertures? La version longue. C'est Karadoc. Kara, tu fais une mercenaire ou quoi? Comment c'est son côté ministre des transports. Tu sais, on joue pas à faire le simulateur. Ouais, tu sais, ma famille, on était des fermiers avant, hein.
des fermiers routiers. C'est comme François Fillon, t'es un paysan sartois. Je repose deux secondes, désolé. Il fait tellement bien, bon, tellement faire... Tu c'est bon. Hein t'as là là, t'as là là. Moi je regarde pas Walking Dead. Moi non plus. Générique, non. Ouais mais je l'aime pas, mais je l'ai pas reconnu. Celui-là il est mieux que celui de base d'ailleurs. Bah c'est celui de base. C'est la version, ouais la version. Ah, mais en vrai, j'ai demandé à HB de la mettre en vrai. Fait, on a commencé à faire des scénarios zombies. Et j'avais un... Il y a une mission, un scénario que je voulais faire. J'ai toujours pas fait, mais je le ferai à l'occasion. En vrai, le générique de Walking Dead il est nul. Ouais, ça va. Oh mais il y a mieux. Il y a pire aussi hein. Tabara de la lida. The Expanse, je trouve tellement stylé. C'est quoi ce lequel? The Expanse. Ah, je l'ai pas vu, The Expanse. Mais c'est bien ça, par contre, c'est de la merde. Ah, moi je kiffe, moi je kiffe. Ah, parce qu'il y a le Punisher dedans, c'est ça? Bah, pas du tout. Ah, ça, pas du tout. Bah, rien à voir avec The Punisher. Bah, il y a le Punisher dedans, je suis désolé. Thomas Jane, c'est qui? Ah, oui, peut-être au niveau des acteurs. Après, je sais pas, j'ai pas vu le Punisher. J'ai eu moi, on va dégager un petit peu. Hein, ça, t'as vu le Punisher? Par t'en as toujours putain de VTR qui bougera pas. Oh, oh Jean-Mine, Jean-Mine, bande de cons, marche arrière, marche arrière. Putain, y'a putain de champ de mine. Oh la tuile, oh la méga tuile, on s'en va, retourne dans le jardin, russe. Ah, je suis en vie. Ouais, bah, pas tout le monde. Soigne-toi. J'ai très mal. Putain, mec, je suis blessé partout. En rouge. Putain de mine de chiasse. Y'a le RPG qui est. Le Brand Brand, il est mort. Ah, attends. Oh, reculé. Ils ont pensé que c'était un lapin qui s'est pris une mine, hein, parce que... Bah, j'espère qu'ils vont pas rouler BTR pour, ah, pour y aller. Rouge, hein. Et si c'était une mine file et que le mec l'a pas vu alors qu'on rampait, je le bute. Ah, mais il peut pas rouler en troisième personne sans. Là, je savais que Caradoc il aurait dû continuer, ça marchait très bien quand il faisait ça. Bon, on fait quoi? Ah, va falloir qu'on se décale à gauche et puis continuer vers les bois en rampant. Tant pis, on profitera pas de couverture du champ. Qui c'est? Ah, déjà, je suggère aussi qu'on se mette bien en file indienne. Ouais. Et qu'on espace un peu. Qu'on espace un peu. Bon, c'était pour ça les 10 bandages et les 5 morphines en fait. Par contre, le mec qui est à genoux. Ouais, c'est le médecin. Rap, oui, mais dégage, tu peux faire allonger ton boulot. Rap, dégage, je m'en occupe. Encore blessé quelque part? Non, t'as fait du bon boulot. Bon, ce qui. Oh putain, je le savais! Quoi? Il arrive! Quoi? Le BTR arrive! Roulez, roulez, roulez! Attention que tu roules pas sur une mine! Y'a des mines! Mais oui, mais roulez à l'extérieur du champ, justement! Oui, mais roule doucement, roule pas trop vite! Oui, mais. Oh, mais attends, roule dans l'axe de Blackheart, et puis voilà! Ouais, c'est ça, ça c'est lui! Avance jusqu'à lui! Après, s'il faut que j'enlève le carte du sable, c'est maintenant, hein, parce que sinon on est mort! Hein. Non, mais mec, ah, on mais va mourir si on tire maintenant! Peur. Ah ouais, mais il va fais-le, il va noir, fais-le, il va noir, fais-le, il va noir, Blackheart, il arrive sur nous. Fais-le, balle, fais-le, il va noir. Balle, défonce-le, et il vient sur nous, défonce-le. Chut, putain. Putain. C'est bon, lève-toi, lève-toi, ils vont sortir. Je crois que je l'ai. Lève-toi, lève-toi. Il y en a qu'un seul, tu te fous moi ou quoi? Ah, pour te calmer, comment ça tire? Le mec est parti vers la route. Je me comprends, il est mort, il est mort. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Lebrun? On court vers la forêt, on fait quoi là? Lebrun, il est mort. Eh, bon, bah là, je cours. Eh, je suis à 6 minutes 40. Pour l'instant, y'a rien. Je me fais plus tirer dessus. Je vous attends. Chargez! Mais non. Mais il est pas là, Carabino? C'est qui le deuxième chef? Carabino? Moi je suis avec le ministre là, du coup. Oui, mais on s'en fout, c'est toi le deuxième chef, qu'est-ce qu'on fait, bordel? On va aller à la ligne d'arbre. Monsieur le ministre! Mais attends, mais Lebrun il est pas mort! Ah bah ça y est, il vient de mourir. Monsieur le ministre? Oui, mon chef. Est-ce que le gouvernement Tchernak m'autorise à. Déposer mon Carl Gustav sponsorisé USA Oncle Sam pour pouvoir m'équiper de matériel pour tuer mon ennemi. Sachez soldat que le gouvernement cautionne tout sacrifice et tout acte de bravoure nécessaire pour la récupération. L'école d'école, l'école d'école prioritaire. Je crois qu'il décolle. Donc ça veut dire oui. Il est...
Oh putain, vite, oui. Effectivement, hélico en l'air. Oh putain, dirais-moi. Attention, le camion. C'est qui qui a fait... Bon bah. Quelqu'un s'est fait coucher par le tir parce qu'il a quand même tiré deux trucs. Ah non. S'il est tombé sur le camion. Voilà, bon, faut pas rester là, y'a des mecs sur le toit. Y'a une corde qui nous regarde sur la plus grande tour. Je vous suggère de bouger. Ah oui, ouais, je confirme. Monsieur le ministre, venez vite courir à la ligne d'arrivée. On s'en fout, lui, ministre. Comment ça? Je suis moultement fatigué. Yus, tu peux pas la choper la corde là? Je vais essayer, mais déjà je suis crevé. Attends, passe pas devant, passe devant moi. Bon, il faut quoi, STP? À quelle distance à votre avis? J'en sais rien, bordel. Loin. Un peu où on est. T'es content à la requête anti-personnelle? Le TP, t'en es où au niveau des neutralisations? Merde. Bon, ouais, faut qu'on bouge. J'ai vu que j'y arriverai pas, donc courez. Non, mais on dépend de toi là, sinon on va tous mourir. Eh ben, j'y arriverai pas. Et pourquoi? Mais parce que j'y arriverai pas, c'est tout. Parce qu'il doit viser une petite tête à 800 mètres qui doit ressembler à une pièce de monnaie sur mon écran. Et encore, je suis gentil, une grosse petite pièce de monnaie. Un centime ou 200 centimes? Genre une fourmi en fait. Un impact plus grand qu'une pièce de 2 5 centimes? Ah, même plus petit. 2 centimes? J'irai à l'idée. L'opérateur a quitté la... doucement les spams radio. Quelqu'un un GPS ou pas? Affirmatif. Et oh. Le mitrailleur a déplacé la mitrailleuse. On est en quelques coordonnées là? Moi actuellement je suis en 039 018 et je suis pas très loin de vous. Mais on peut, si on veut, on peut essayer d'atteindre la rivière, essayer de se rapprocher et d'attaquer par l'est. Ça me semble être une bonne idée. Allez, en avant la rivière. À suivre la ligne d'arbre qui fait le tour en fait. Finalement, on se retrouve tous dans la rivière. Je dis ça comme ça, mais on a commencé à péter pas mal de véhicules, ça attire beaucoup de monde, il faut se dépêcher. Ouais. Putain, y'a plus de couvert. Tous, tu pourras peut-être l'avoir d'ici, non? Il est plus à découvert, il a pas si sac de sable. Ouais, faut se bouger pendant qu'il regarde pas. On se rapproche là, on arrête de tourner autour. Je sais pas. On pourrait, hein. Carabino, le mec a quitté sa batteuse, à la limite, on peut peut-être tenter de foncer sur le camp, mais faut le dire maintenant. Kus, tu vois des trucs à signaler? Lui, t'en sors pas. Mais il est plus sur sa mitraille, tu l'as eu là, le mec, non? Il est blessé, mais il s'est barré, il est parti se planquer. Ok, à tous, puis on se retrouve. Je sais pas d'où ça vient. Non, non, on a vu une patrouille côté, de notre côté là, côté ce nord de du complexe, il y a une grosse patrouille. Congo, Blackard, ça va? Bon. Côté nord du complexe? On est côté nord du complexe. Oui, bah je sais, oui, c'est bien ce que je te dis. Regarde derrière les buissons, t'as toute une colonie de connards qui sont devant le mur. Affirmative, je les vois. Faut qu'on continue à gauche, on n'a pas le choix. Ouais. Le TP, t'as un vis sur eux normalement. Je sais pas de qui branle derrière s'il s'amuse à se toucher les couilles, mais c'est pas le moment. Bah tout ce que tu veux. Bon, faut continuer S, on est presque arrivé dans la rivière. Ok, bah nous on est plusieurs centaines de mètres derrière. Ah oui, quand même. Putain, sur le château d'eau, il y a les deux connards, ils nous ont pas vus, mais ils ont visuel, s'ils veulent. Ouais, bah, c'est les deux snipers de tout à l'heure. Si on se met dans le creux, de façon, on peut longer. En fait, la patrouille à l'extérieur, elle est en train de se barrer, là. Elle retourne vers la ville, on dirait. Genre pour aller chercher des renforts? Eh,
Damania, davai, davai, davai. Coucou. Alors en fait, l'île de la rivière, par contre, protège un peu de rien. Non, si, ça va. Ah, oh, bonjour le grand. On peut longer jusqu'aux arbres là. Ça va être ça. Et après le BTR. Alors en fait, t'as dû péter sur une mine, donc du coup, on a tous été bien blessés, voire plusieurs mis dans le coma. Et puis le BTR s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Du coup, nous a foncé dessus. Et là, j'ai le mec qui court, civil, qui court vers nous. Au M3 Mouse. Mais juste comme ça, j'étais encore en vie. Ouais, on a compris. Comme je t'ai dit, il y avait une corde qui nous regardait et un BTR qui nous foncé dessus. Ah bah là, c'est la photo médecin. Ah bah, arrière droite, il y a un civil. Oui, bah, il y a surtout un connard qui nous tire dessus depuis le grain. Le grain élévateur. Ils sont où les autres? Bonne question. Vous êtes où là les gars? Là on est parti sur la rivière qui est à l'est du comp. On a atteint la rivière avec Black Air, Tango et Lebrun et on est en train de la suivre vers le sud. Et continuez de planer jusqu'à arriver à la rivière, normalement c'est safe. Les snipers sont pas tournés vers vous et j'ai pas repéré l'ennemi sur le bâtiment qui semblait... Le sniper est en train de nous arroser. Ah bah... Et j'ai déjà pris deux balles. Oui. Ok, on a les snipers en visée. T'es repéré, tu veux pas exploser ce cousin de château d'eau. Ils sont loin hein. Putain, t'as quand même à côté de moi. On va voir ici les snipers. On tente les snipers parce que sinon vous y passez les copains. Le bras, elle est où ta position pour l'instant? Je pense pas que c'est où tes snipers. Sur le château d'eau là. Tu vois l'effet de château d'eau à gauche noir là, la structure noire. Tu vois l'arbre blanc face à moi? Ouais, attends, ouais. Tu vois le truc derrière? Fait quoi, on les aspecte au fusil ou on les explose au RPG? Cus? On peut les avoir au fusil, hein. Ils seront pas tout seuls. T'as des yeux sur le TP là? Non, j'arrive vers où? On va dire je le feu. Parce que là, il nous aspecte sévère et il a déjà blessé le ministre. Moins 1. Moins 2, c'est bon. Par contre, non, les glaces, j'ai déjà utilisé. On a l'équipe de sniper, c'est vraiment pour vous. Apparemment le TP il est sur la passerelle rejoignant la tour à droite. Vu au niveau des tuyaux jaunes. Tuyaux jaunes. Attends, apparemment les coups de feu ont cessé, on va bout. Dans le coma. Affirme, y'a toujours un tireur sur à droite de la passerelle. J'ai pas de visu, je suis trop bas. Ouais, t'as dit quoi la carte par rapport à lui? Il y a un homme sur la piste de décollage de l'hélicoptère. Rap, t'es vivant? Ouais, je rejoins l'équipe de devant. Je continue d'avancer là. C'est juste que je vous déménage pour les copains, là j'en ai plus. T'es pas loin. J'ai eu deux connards sur les tuyaux jaunes, enfin là au niveau de la passerelle sous les tuyaux jaunes. Ouais. Sur celui de droite, celui de gauche, je pense qu'il est seulement dans le coma. Bah je sais pas, de toute façon on va être trop bas pour les allumer donc Bon là on va avancer sur la coopérative agricole. J'espère juste qu'il n'y a pas de champ de mine. On approche la coopérative par le nord-est. On a pas mal sulfaté avant d'arriver, on a dû faire le ménage pour que vous soyez un peu soulagé. Mais on peut pas faire de tir sur ce qu'on voit pas, désolé. T'as encore envie plus? Ouais. Par contre, oubliez pas qu'il y a le BMP à l'entrée là. Ouais, puis j'ai plus de. J'ai combien de fois j'ai 26 ça maintenant. Tango, il sera pour toi. Si j'avais été fort, je peux te filer moi RPG7 et prendre ton RPG26. Hein. Oh, je retrouve bien dans la. Il y a un civil à l'intérieur. On vous rejoint, on vous voit, balle, on vous rejoint. On me prend des balles. Ah tout en haut du grain là, il y a un tireur. Traité. Je me soigne et après je repars. Je sais pas si je l'ai. J'ai cartonné aussi, je pense que c'est bon. Par contre, ils ont condamné les entrées. On va faire le tour, hein, tant pis, de toute façon, là, quand on sera collé au mur, il pourra pas faire grand chose. Bien. Et contact entre la tour et les murs. Kius, je suis à ta droite. Au pire, l'hélico il a pas fait une brèche en tournant. Vous laissez du à droite. C'était quoi ça?
aucune idée. Bah non. Bon, elle est morte. Oh. Je sais pas ce qui se passe, mais. Ouais, c'est pas. Sur la clôture. On va avancer sur la clôture, pas trop grave. Pas d'explosion interne dans l'enceinte, on va éviter le camion s'il est là. Sur la gauche, qu'il n'y ait pas d'autres dans les bois qui nous surprennent pas. Pour moi, le complexe, on le prend et qu'on se tape. Attaquer, ce sera assez sympa de dire. Dans ce moyen, elle peut merder, elle a mis des refus. Hop, à terre. C'est bon ? Derrière nous, derrière nous. Je suis au niveau de la colline, me tirez pas dessus. Arrête d'avancer, rap. Ça se passe comment de votre côté là? Parce qu'on a été bloqué par le BRDM, il est détruit du coup. Attention, il y a un BMP qui est près de l'entrée, qui est derrière la baraque du gardien de l'entrée de. Attention, ça nous allume depuis les fenêtres. À l'aide! Mais t'es où? Mais y'a des méchants sur cette putain de colline là! Je sais, mais moi aussi j'y suis! Bon, on bouge là. Là, on peut pas monter cette putain de colline, on s'est rattrapé par la droite. Y'a encore quelqu'un de vivant ou quoi, bordel de merde? Oui, t'es au niveau du boulot blanc, cus? Oui. Ils sont où tes ennemis? Moi je les vois pas. Hein. On vient de les flinguer. Confirmé. Il y a un BMP à l'entrée du camp. J'ai besoin du médecin là. C'est bon, j'ai Blackheart, tu peux venir sur nous. On revient vers le complexe. Putain, trois fois que je dis il y a des mecs sur la colline qui nous arrosent, il y a personne qui réagit quoi. Je t'ai appelé à la radio, mais attention, le BMP est dans le coin. Apparemment, c'est des mecs qui sont sortis. Orsted ? Oui. Tu peux venir sur ma c'est position bon. Derrière pour Blacker ? Par rapport au. Château d'eau, vous êtes où ?
est juste avant. On est à l'ouest de Madrid par la fenêtre. Fais gaffe, le bâtiment en construction. Il y a un BTR à l'entrée là, dans l'axe de l'entrée. Le mec a, dans le bâtiment en construction, le mec a bougé, mais il est toujours actif. Le préfa à l'entrée là. Ouais, ouais, le truc en construction avec un mur renforcé juste devant. Ah, ouais, ouais. Et nos potes sont dedans là. Ouais, ouais, c'est bon. Hop, je fais un dernier check. Il a perdu vraiment, il faut que je fasse une deuxième transfusion. Rester dans le coma bien. En fait, je sais pas si c'est. S'il a, il s'est pas fait TK par. Par Qs. Non, non. La carte est partie au début. Nous, on avait vachement de retard parce que moi, je me suis fait. Genre, j'ai eu un bug sur le chemin. Et je me suis fait abattre en fait par le sniper. Donc, en fait, mon personnage a tiré comme un gland. J'attends un peu un blackout pour le sang. Désolé. Pas besoin d'attendre. Ouais. T'as pas besoin de mettre 600 ml de sang, Orsten. Non, non, mais oui, mais j'attendais que le sang se diffuse là. La carte, t'es où? Là, y'a marqué que t'as pas besoin. La carte vient de revenir là, on va vous rejoindre. Tu retires par le sud-sud-est. Ah, l'entrée, je peux pas, je peux pas me décaler face au BTR. Non. Comme moi, quelqu'un va se décaler. Faut des morphines. T'as genre piqué dans ton sac. Bon, mais je sais pas. Tu dépêches d'aller à l'entrée, on est vraiment. T'as fait. Tiens, je t'en mets. T'en ai mis 2 de sang et il y a toujours marqué. Contact sud-sud-est, ça arrive sur la. Oui, mais bon, Orsène, je vais pas réexpliquer à chaque fois comment ça fonctionne, Ice. Mais tout à l'heure, ça a marché pour le brin. T'as pas besoin de mettre 36 de sang, là, il s'est brûlé. Ouais, bon, on pourra pas rentrer, mec. Des ennemis dans le bâtiment en construction, on est d'accord? Affirme. Oui, c'est ennemi. Le BTR a pété, c'était ma dernière. Le brin s'est fait tuer. Rapproche. On peut longer. Hein. Attention, on va rentrer. Ah, c'est vous là? Oui. T'as une tête de méchant, placard quoi. Ah, Caradoc, t'as une morphine en fait. Tu lâches la balle. Qui a une morphine? Tu la balle. Attends, j'ai moi. Oh, attends. Faut que tu mettes une morphine, puis que tu me remettes du stuff médical dans le sac si tu peux. Ça tire depuis où exactement? C'est sud-sud-est, y'a du contact qui arrive, mais bon. Fais gaffe derrière toi, hein, Blackheart. Et y'a encore un mec dans la maison en construction. Affirmatif, il tire dessus là. On n'arrive pas à le déloger sans tuer. Y'a quelqu'un une patate, un lance-patate, vous en avez une patate dedans, c'est terminé. Ouais, j'en ai une.